more shall gather, more shall enter the fray. Docteur Octopus. Dogs. Le serveur. Gnome. Mais barrez-vous, bande de cons, on va tous crever. Enjoy your stay. Ah, bonsoir, je suis Lord Poulpi. On se retrouve dans Darkest Dungeon. 78e semaine. Ça commence à faire beaucoup, hein. Si, ça commence à faire beaucoup. Je vais me faire le prophète vitupérant. Ah, il vitupère un petit peu, hein. Il est là, comme ça, vitupère à la gueule. Donc on va un peu le calmer, car c'est extrêmement mal poli. On a aussi le canon de 12. Mais bon, voilà, il y a un objet, j'ai déjà. Bon, ça m'intéresse pas. J'ai décidé, par pur esprit collectionneur, d'aller là, parce qu'il y a un anneau qui est pas mal en plus. Hein. Bon, non, c'est de la merde. Enfin, c'est pas de la merde. J'aime pas les objets qui enlèvent de l'esquive, en fait. Ouais. Car une esquive, voilà, une esquive non effectuée, c'est des dégâts assurés. Et ça, c'est pas bien. Donc, je préfère avoir un maximum en esquive. Là, c'est en 8 points, quoi. Mais c'est très rare. Hop, voilà. Les machins, là, on s'en fout un petit peu. Là, j'ai l'équipement au niveau 4, 5, je ne sais plus, au maximum, quoi. Je l'ai eu, là, dernière mission. Excusez-moi, je bois un coup, je me délecte. Ah, c'est bon! Comme ça, je vais pouvoir baver. Et voilà, bon, on s'en fout, allez, on y va. Ça suffit maintenant. Ah, tout le monde est malade, j'avais pas vu. Cécité hystérique, on s'en fout. Hémophilie, ah, c'est pas grave, il fait que des poisons, lui. Alors, je voulais prendre un groupe complètement bourrin. Et puis, bon, en fait, je ne peux pas, parce que j'ai pas beaucoup de persos niveau 3-4. Donc, je prends ce que j'ai que ceux-là. Ils sont bien, hein. Mais, voilà, quoi. Voilà, voilà. J'aurais préféré... Enfin, c'est déjà assez bourrin. C'est bon, il y a deux bourrins. Poison. Pff. Le serveur, je sais pas trop que va servir, mais on verra. On prend des torches. Ouais, on prend des torches. Ouais, si, c'est bien. Allez. This raving creature had to be silenced. But doing so proved maddeningly impossible. How had he survived the stockades, the icy waters? And the knives I delivered so enthusiastically into his back. How had he returned time and time again to rouse the town folk with his wild speculations and prophecies? Étrange. The echoes of his mindless tittering reverberate maddeningly. C'est donc pour ça qu'il a des couteaux dans le dos. C'est l'ancêtre, c'est tonton qui l'a un petit peu torturé, bah alors. Direct. Ça, c'est pas bon signe là, ce qui vient de se passer. Non, ça veut dire. Va-t'en immédiatement. Ah, y a pas de combat. Non, j'ai rien dit. Bon, on va aller tout droit. On va aller tout droit. Ouais, on va feinter. Bon, non, on va pas mettre de torche parce que si. Attention. Tête dure. Tête d'ail. Non, tête dure, c'est quand même mieux. Allez, on y va. Pas un seul combat. Ça, c'est bien, ça. C'est bien, Docteur Octopus. Parfait. Oh là 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 là. Oh là là. Et là, je feinte. Là, je vais en bas. Parce que je sens des choses. Ah, on sent des choses dans l'ambiance, dans les sons. Si. Ah, il y a un mur. Bon, là, on a mal senti. Bon, ça arrive aussi. Hein. C'est pas grave. Petite marche arrière. Très peu de points de stress obtenus. Ouais, c'est le principal, hein. Ah là là. On va être dans le noir. Ah, bon, super, mon campement va être... ouais, tiens, vas-y. Ah merde, ça marche pas. Ah, c'est de l'eau bénite qu'il faut. Bon, bah vas-y, hein. Bah, on a bien fait, bah voilà. Ça sert à rien. Et on en récupère un. Ah, c'est un petit peu ça, le talent. Bon, finalement, cette quête va extrêmement bien se passer. Regardez-moi ça, y a pas un monstre. On est tout seul. Ah. Et y'en a. Il y en a, mais 90, 90, Doom, c'est d'après un peu de stress, ça va désamorcer. Comme ça, voilà, le moral il est bien, le moral il va mieux. Une vierge de fer. Ah, un Gollum, il va les voir.
Une fille à l'intérieur? Eh non, il n'y a pas de fille dedans. Tu t'es fait hutte par le titre. Ah, tu es jeune et innocent. C'est pour cela. Oh, bon, ça va. Ah là là. Un petit combat. Toi! Ça marche bien, ça. C'est une petite astuce hein, que j'ai découvert. Vous pointez, par exemple, quelqu'un au fond, avec la compétence activée. Et là, vous faites peu! Surprise! Et souvent, ça les étourdit. Beaucoup plus. J'ai fait des statistiques un petit peu rapides et c'est fiable. Donc, vous pouvez. Il y a un petit peu de skill finalement. Une petite skill à la souris comme ça. Ah, au premier abord, on dirait pas, mais si. Finalement. Qu'un! Bon, là, je l'ai pas fait, vous voyez. Juste les dégâts sont beaucoup moins conséquents. Beaucoup, beaucoup. Oh là là. Regardez-moi ça. Là, ce qui se passe, c'est beau. Là, ce qui se passe, c'est. Pour un combat, on est surpris, franchement. Non, tiens. Tu me fais pas peur avec ton gobelet. Rien à foutre. Vas-y, envoie-le. Hop là. Ouh, il fait mal. C'est un petit peu corsé, ce mélange. Bon. Faut aller calmer, là. Ah, putain, ils jouent. Ah, ils jouent tous, hein, les bâtards. Hop là. Ça y est, c'est à moi. Oh, je t'ai fait, toi. C'est bon, ça. Allez, allez, à moi. Ah ouais, on s'en fout. T'es mort. Allez. Si t'es mort. Bon, tout le monde est mort, là. On va pas se mentir. Oh, il est encore vivant, lui. Oh, il joue. Oh. Il adore jeter sa mixture à la face de Dooms. C'est pas très gentil, hein. C'est même extrêmement méchant. Oh. Reprends. Bon, il était déjà mort, certes. Mais comme ça, on peut faire un superbe soin de 4 points de vie. Un soin de qualité. Ouais, donc le prophète vitupérant, là, on va le... On va pas chercher à comprendre. On va le défoncer. On va pas y avoir de réflexion. Ça sert à rien, il fait tomber des parpaings du ciel. Donc, faut le tuer le plus rapidement possible, et puis point barre, quoi. Bon, comme tous les boss, quelque part. Putain, mais... Putain, super, mon campement s'en bouffe, quoi. Ce que je veux dire, c'est... voilà, quoi. Je sais pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est un des boss qui m'a laissé un des pires souvenirs. Ouais, il a tué... Abdul... machin. Et c'était très dur pour moi, si. Bon, on va tenter le campement. Au pire, on se bouffe. Ah non, on peut se bouffer des points de vie. Ah ah. Ah, du coup, c'est chiant. Mais. Bon, tant pis. Oh ouais, c'est pas grave. Ah bah voilà, c'est bien. Bon, est-ce que quelqu'un peut soigner quelque chose hein? Rappelle-moi, réduit le stress. Soin 20%. Seulement soin. Attention. Un compagnon, tiens. Oh là là. Le soin de bâtard, c'est magnifique. Mental d'acier, ça je sens que voilà, on va le faire. Accroît le stress de 20, tous les compagnons du stress. Non. Ça c'est bien. Bon, il va me rester beaucoup de points. Il va m'en rester 4, non? 4, 5. Tu vois? 4, putain, c'est chiant. Ah, c'est très très chiant. Voir, je fais ça, mais c'est pas très gentil pour les autres. Et en même temps, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave si Dooms elle est un petit peu stressée? Non! Oh non, c'est pas grave! On a dit qu'on le bourrinait, on va le bourriner! Et puis c'est tout! Bah tiens! Allez, on se repose! Et pas de. Pas d'embuscade. J'essaie un petit peu de décrypter ce qu'ils disent. Ah, c'est pas bon, hein. C'est négatif dans l'ensemble. Peut-être embuscade donc. Pas du tout. Parfait. Alors attends. Si je te mets derrière toi, tu vas servir à rien en fait.
que je le mette devant. Non, c'est que tout le monde doit être devant, donc bravo. Ah. Si, franchement, bravo. Bon, on va faire comme ça. Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Il aura pas le temps d'attaquer, de toute façon. Ah, oh, les chieurs. Ah ouais. Ok. Bon, bah, c'est un combat d'entraînement, alors. Petit dégueulis. Dégueulis du matin. Pouah, 4 points de dégâts, c'est bon, ça. C'est tout seul, écoutez. Je... Vous, vous jouez pas. Toi, t'es mort. T'es pas mort. Malgré mes super bonus. C'est inquiétant, ça. Toi, tu joues pas, tiens. Trop de points de vie. Dégage. Alors, ils vont faire quoi, là, hein? Ils vont faire quoi, les brigands? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te faire esquiver? Oh, il fait saigner. Ah, oh, il fait saigner Docteur Octopus comme une truie sauvage. Aïe. Je te le dis. Combien? Ouais, alors attends, est-ce que je le tue lui? 4. Ça va lui mettre combien? C'est où? C'est là? 5. Ça va le tuer. On tue un sur les deux déjà. Ah, bordel, tout le monde esquive sauf. Sauf le Docteur Octopus! Faut pas que tu joues, toi. Toi, tu joues pas. Ah, merde, aïe. Ça marche. Oh, dommage. Ah, oh, dommage. Ça va. On est bien. On est bien. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire, toi. Voilà. Tu fais de la merde. Très bien. Bon. Alors maintenant. Je me soigne. Comme neuf. Toi, t'es mort. Toi, toi, t'es pas mort encore. Tu vas mourir. Voilà, t'es mort. Ensuite, ouais. J'aimerais bien arrêter le segment là. Voilà, super. On va se soigner un petit peu. Ah, deux points, c'est naze. Non, c'est naze. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Ça craint. 12 points de vie, ça craint. Franchement, ouais, mais bon, faut y aller. Hein. T'as qu'à faire attention et puis c'est tout. Je te dis, moi. Haïsseur d'horreur, c'est dommage, c'est pas une horreur le machin là. Bon, 70, combien de torches? Oh, on est bien. Allez, viens. Ah, tu vitupères direct. Hein. Pronostic calamiteux. C'est pour qui ça? Putain, c'est entre les deux, vous faites chier là. T'es sérieux? Ah non, c'est pour... Ok, c'est bon. Alors, toi, je peux t'attaquer direct, et ça, ça fait bien du plaisir. 6% de critique en plus. Ok. Ça commence bien. Allez, on se transforme, on n'attend pas. J'ai dit, on n'attend pas. Ah. Trembler face à la puissance. Gollum ! C'est bon. Tout était prévu. Tout était calculé. Alors, il résiste à quoi, lui ? Il résiste à rien du tout, sauf à l'étourdissement. Donc, on va... Et ton banc, là, il prend cher ou pas ? Non, peut-être pas quand même. Hein. 220, non. En même temps. J'ai envie de te dire en même temps, voilà. Un petit peu normal. Alors, on va essayer de péter ça. Ça va pas marcher beaucoup ma technique là. Attention, ça va tomber. Attention, 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 attention. Ah voilà. Waouh, beaucoup trop de points de vie. Oh là là. Bon, ça va pas. Allez. Ça va pas du tout. On se concentre. Ça va aller. Ça va aller. On va un peu switcher pour les dégâts des gravats là. Alors on repasse devant. Hop, tout le monde avance un petit peu. On est content. Ça fait plaisir. Bon, du coup, j'ai envie de te dire un coup de gueule. Que ça va faire de toute façon. Ah, dis donc. Allez, moins de vitesse, moins d'esquive. Tout bien. Alors, étourdissement, ça servait à rien. Ça non plus. Bah écoute, t'as pas le choix, tu continues avec ça. Hein. Tu le charges. 10 points de dégâts. Ah, ça devient chiant, ça y est. Ah non, je peux. Oh, je peux le faire saigner. Oh, tu vas saigner. Tiens, oh là 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 là, du bon gros dégâts. Allez. Allez, allez, ça va. C'est quoi ça déjà? Ah merde, il est étourdi. Rien à foutre. Fais tomber tes graviers là. Rien à foutre non plus. Voilà! Oh là là! Bah alors là, t'es foutu. Tu es. Tout foutu. Oh, il fait de la merde. C'est bien ça, il est fait que sur un. Ça fait deux fois.
Ben voilà. On dirait que les boss... hein? Les boss vétérans sont plus faciles. Non, je déconne. Qui se la raconte? Je me la pèterai quand j'aurai fini le combat. C'est mieux. Alors, rappelle-moi, 95... Ça fait moins de dégâts, ouais. Certes, je pourrais péter les deux machins, on a rien à foutre. On va les laisser, écoute, hein. Tu vas juste prendre des fessées. Et puis, c'est tout. Tiens, je vais gueuler dessus encore. Alors... Oh là là, c'est ce point. Ouais, c'est bien. Tu l'étourdis pas. Et voilà. Ah, vertueuse. Doom, c'est vertueuse. Oh, Doom, c'est désespéré. Mais pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien, ça. C'est pas le moment. On s'en doutait un petit peu, mais... Et voilà, quoi. Ok. Sa douleur. Ah, Gwarg. Gwarg, a dit Gollum. Ce qui veut dire... Ah, il s'acharne sur, sur le serveur. Ah, Grag, a dit Gollum. Ah, il est pas content. Allez, on va le tuer rapidement. 74. Ah. Ah non, c'est chiant, là. Ça, c'est chiant. Non, j'ai pas le choix. Hein. Il sert un petit peu à rien. Bon, il sert de... Il attire la haine, quoi. Quelque part, c'est pas mal, mais... Est-ce que je peux avoir un peu de critique, là, s'il vous plaît? Bon, bah 39, c'est bon. 39, quoique c'est peut-être pas bon, hein. 5, 6, 11, nanana, 28, bon sûr, il va lui faire 28 points de dégâts. Ah, quoique, étourdi là. Ah, c'est pas sûr. Bon, il nous tuera pas là, il peut pas nous tuer. Il peut pas nous tuer parce qu'il a trop de points de vie. Bon, il peut pas nous tuer, il a pas le droit. Donc c'est bon, voilà, t'es battu, t'es nul. À moins que Doom se mette à faire n'importe quoi. Il va pas faire ça. Ah, je suis plus étourdi en plus. Mais c'est la teuf. Attends, t'as combien de points de vie, toi? Attends, fais un petit... fais ça, ouais. Voilà, juste pour le faire chier. Faire un petit peu de dégâts. Allez, paf, t'en reprends une petite couche. Et... 30, nanana, 16... 14... Qui peut faire 14? Tu peux faire 14. Allez, il est mort. Au revoir. Au revoir, monsieur le vitupérant. C'était bien. Ça tombe pas. Voilà. Ça meurt. Tout meurt. Bon, bah, c'est bien passé. Ah, du coup, j'en ai pété qu'un, donc j'en récupère qu'un. Ah, intéressant. Dommage. Mais en même temps, vaut mieux que tout le monde survive, hein. Mais ouais. Ah, cette quête, bon, ça suffira, peut-être. Oh, ça suffit. Ouais, quand même, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit grave. Allez, à boule. Ouais. Bien. Oh là là, c'est bien ça. Allez, tac. Niveau 4, niveau 5, c'est la teuf. Que de la merde. Tant pis, c'est triste. Allez, sur ce, je vous laisse. Ouais, le prophète, bah finalement, grosse merdasse. Hein. Le canon, c'est de la grosse merdasse, on le sait. L'équipage machin. On va regarder un petit peu la liste, tiens. L'équipage noyé, la trempée, la. Équipage englouti, ça va être de la merde aussi. Merde. Bah c'est bon. Bah attendez-nous le canon de 12. Attends, la sorcière harpie. J'ai déjà fait là. Y'a pas le canon de 12 dans la liste. Je suppose. Il est là. Ah tu sais pas lire. Oh, mais t'es grave mec. Ouais t'es grave. Voilà. Tout ça pour dire qu'il me reste deux boss vétérans à tuer. Et puis et bah c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Allez je vous laisse sur cet exercice de lecture qui prouve que je suis moitié aveugle. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.